Petits exercices d'aquarelle pour vous améliorer en peinture. Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo dans laquelle, encore une fois, je vous montrerai des petits exercices qui sont faciles, rapides à réaliser, très intéressants, surtout là pour vous améliorer en peinture. Pour vous améliorer dans, on va dire, la gestion des couleurs, la gestion des harmonies colorées, dans la facilité à interpréter aussi, sans hésiter à explorer de nouvelles façons d'appliquer les couleurs dans vos peintures, dans vos tableaux. Finalement, des exercices qui vont vous permettre d'oser, d'avoir du courage, de faire des choses qui ne sont pas exactement ce que vous avez sous les yeux. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book gratuit et des mini-formations, des cours de peinture. Alors voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire de l'aquarelle, mais vous pourrez très bien le faire en acrylique, à la gouache, en peinture à l'huile si vous voulez, mais l'aquarelle, je trouve que c'est mieux, surtout dans le cadre comme ici où je suis encore dans les hôtels, hein, en vacances, donc en vacances où je vous montre quand même des petites vidéos, c'est intéressant. Justement, parce que vous aussi, vous allez vous trouver en vacances quelque part à un moment donné, et puis peut-être vous aurez apporté un petit kit d'aquarelle. Alors pourquoi ne pas en profiter? Puisque vous n'avez pas tout votre matériel de peinture à l'huile, ça doit vous manquer, vous vous ennuyez de ça, vous ne pouvez pas peindre à l'acrylique, vous n'avez pas votre chevalet, vous avez juste apporté un petit kit d'aquarelle. Eh bien, pourquoi ne pas faire des exercices qui vont vous améliorer, vous permettre de vous améliorer pour faire vos grands tableaux en peinture à l'huile, en acrylique, plutôt que d'essayer de faire tout de suite des belles aquarelles, et encore une fois, de faire passer la beauté du travail, la production, la qualité, de faire passer ça avant votre, on va dire, votre apprentissage et le besoin de devenir meilleur. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer un petit truc très simple, c'est facile à faire encore une fois. On va passer donc sur la table pour travailler. Je vais vous montrer, c'est un exemple, et puis vous allez pouvoir en profiter grandement et le faire aussi chez vous. Ou du moins, pendant vos trajets, pendant que vous serez en vacances. Alors voilà le matériel que je vais utiliser tout simplement. J'ai mon téléphone ici avec une photo du rocher percé. Mon petit kit d'aquarelle, alors ça c'est sur ma boîte Winsor & Newton. Si vous voulez chercher la même sur internet, on la trouve encore. Winsor & Newton, vous marquez, je ne me rappelle plus, watercolor, c'est en anglais. Plein air kit peut-être, ou traveler kit, quelque chose comme ça. Vous allez la trouver. Il y a 2, 4, 6, 12 couleurs. C'est des bonnes couleurs, c'est de la bonne peinture, très bonne peinture. Ici, un réservoir pour l'eau, mais là, je vais utiliser mon petit gobelet. J'ai mon pinceau de voyage. J'en ai 3 dans mon petit étui, mais là, je vais en utiliser sûrement qu'un. N'importe quel pinceau aquarelle fera bien l'affaire pour cet exercice. Du papier aquarelle très ordinaire, une règle, un crayon. Voilà. Le principe, eh bien, c'est que j'ai divisé ma feuille d'aquarelle. C'est pas grand, c'est un petit pad d'aquarelle qui fait 9 par 12 pouces, 22,9 par 30,5 cm, tout simplement. Je l'ai partagé en 4. Vous pourriez le mettre sur l'autre sens et le partager en 6 si vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir des petits schémas. Voilà. Et j'ai dessiné mon rocher percé 4 fois. Hein. Alors, vous voyez, très schématiquement, très grossièrement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce qu'on n'aurait jamais osé faire sur un tableau. On va devenir fou. Nous allons faire les fous. Voilà. Tout ce que vous auriez peut-être aimé essayer un jour sur une toile, sur un tableau, que vous l'avez jamais fait parce que vous avez peur de manquer votre tableau, qu'il soit complètement gâché, eh bien là, on va pouvoir se le permettre. On va faire tout et n'importe quoi au niveau des couleurs, hein, tout simplement. Par exemple, bon, ben, là, le rocher percé sur la photo, il est marron, hein, beige, l'eau est bleue, le ciel est bleu, c'est des gris bleutés, puis on a du feuillage vert. Quoi de plus normal? Quoi de plus classique? Mais là, si on voulait vraiment s'en aller vers autre chose, allez, on va commencer. Allez, je vais prendre de l'eau, mettre de l'eau ici. Tiens, je vais mouiller mon ciel. Je vais me laisser aller sur le premier ici. Hop, le ciel. Voilà. Sans faire attention, j'ai même un peu mouillé le rocher. C'est pas du tout grave. Allez, on va faire un ciel rose. Allez, je vais prendre de l'eau, un petit peu d'eau, un petit peu de rouge. Allez, on a rarement fait un ciel rose. Oui, ça se voit quand même.
mais j'ai peut-être jamais osé le faire, c'est le temps. Allez, on peut oser maintenant le faire. On est entièrement libre. Je sais pas moi, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme couleur que vous n'avez pas encore faite dans vos tableaux? Hein, laissez-vous aller. T'as du rose, bien sûr, on va en mettre aussi dans l'eau. Pourquoi pas, puisqu'il y en a dans le ciel. Il va y en avoir dans l'eau. Je pense que je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros pour que ça aille plus vite. Vous avez compris que j'ai gardé un petit peu d'espace pour faire des reflets. Je vais prendre mon pinceau plus gros parce que sinon, ça va être trop long. Pour la suite. Allez, rose, c'est bien, mais pourquoi pas, tiens, du jaune. Allez, on va prendre du jaune, ce jaune-là, le jaune cadmium foncé. Pour jouer avec les teintes et les couleurs, ça va faire des roses, des oranges un petit peu, tiens. Ah, voilà quelque chose que je n'avais encore jamais osé faire. C'est pas tout, ça, le rocher va être quelle couleur, lui? Oui. Quelle couleur le rocher? Bon, rose, jaune, orange, tiens, orange et complémentaire, c'est bleu. Je pourrais faire quelque chose de bleuté, tiens, pourquoi pas? Bleu-violet, allez, violet. Je vais prendre du rouge à nouveau, comme ça, ça me fait une couleur commune au ciel et au rocher. Et un petit peu de bleu, l'outre-mer. Voilà. Voilà les rochers violets, hein. Et bien entendu, les reflets. Alors, vous voyez, j'attends pas que ça sèche. Je pourrais attendre que ça sèche. Mais, allons-y, laissons-nous aller. On va mettre un petit peu dans le ciel, légèrement aussi, tiens, voilà. Un peu dans l'eau. Liberté donne forcément quelque chose de plus spontané, plus intéressant. Je vais prendre du bleu encore, du rouge, je vais foncer. Hein? Je joue aussi avec les valeurs, les contrastes. Puisque je suis là-dedans, tiens, je peux commencer à mettre un petit peu ces teintes-là ici. Vous voyez? J'ai joué avec très peu de couleurs, très peu d'écart de couleurs. Ça, c'est les herbages, hein? Une palette extrêmement réduite qui m'assure quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà, c'est fini, c'est tout, l'exercice est fait. On reste un peu comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, dans l'esprit de faire des choses rapides, des choses intéressantes, vite faites, rapides, qui nous prennent pas trop de temps et qui nous permettent de nous amuser. Et de nous éclater à faire des choses qu'on n'aurait jamais osé peut-être. Tiens, on va faire un truc là différent. Et si on restait tout dans des... Je vais enlever mon tape ici. Tiens, on va faire un monochrome un petit peu. Je vais essuyer ça. Un monochrome dans les marrons, dans les beiges, les bruns, tout ça. Tiens, c'est intéressant ça. Allez, on va essayer. Je vais mouiller mon ciel. Je vais commencer avec juste de l'ocre jaune. Et là, j'ai un ciel pâle et un rocher foncé, on est d'accord? Là, pour l'instant, ben, ça va être un peu la même chose. Un ciel pâle et un rocher foncé.
Voilà, les reflets dans l'eau. L'eau qui reprend les teintes du ciel. On avait dit plus foncé. Tiens, on va y aller avec de la sienne brûlée. On va balancer ici dans l'eau un petit peu. À l'horizontale. Un petit peu dans le haut du ciel. Pour faire un beau dégradé. Là, mon papier commence à gondoler. On va venir sur les rochers aussi. Avec le reflet. Dans l'eau, le reflet. Et la terre d'ombre brûlée qui est très foncée, qui va me permettre de venir foncer plus. J'ai un peu débordé, pas grave, parce qu'on a des reflets aussi. Voilà. Texture un petit peu le rocher. Oh, libre à vous de prendre plus de temps, faire sécher, séchoir à cheveux. Si vous voulez travailler tranquillement, vous pouvez le faire aussi. Et mon avant-plan, qui est très important pour donner de la profondeur. Vous ne voulez pas, dans cette façon de générer ces couleurs-là, vous explorez, vous voyez ce qui est intéressant. Et puis en même temps, ça vous apporte encore aussi un petit peu de spontanéité, qui est vraiment très très nécessaire en aquarelle. Hein. C'est bon, on en a fait 2 sur 4. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour celle-là? Et si on y allait avec 2 complémentaires, tiens. Allez, pourquoi pas. On va y aller encore avec complémentaire, ça pourrait être mauve et jaune, mais on l'a quasiment fait ici. Bleu et orange, ça pourrait être bleu et orange, mais c'est un peu trop naturel si je mets ça bleu et orange. Bon, si on faisait rouge et vert, tiens, rouge et vert, hein, pourquoi pas. Allez, on va utiliser les verts, tiens, pour le ciel et l'eau, puis le rouge pour les rochers. C'est bon? Allez, on va y aller avec le vert qui est ici. Puis on peut utiliser l'autre aussi, tiens. Celui-là, là, le vert émeraude, phtalo. Ah oui. Allons-y avec lui. Je vais mouiller un petit peu l'eau, le ciel, pardon. C'est bon. Quand on fait ça, on se dit de suite là. Oula. Oula. On va s'amuser. On fait l'eau. Vous voyez quand même, le schéma reste quand même pas mal le même tout le temps. Chercher d'autres. Avec du rouge très fort et très foncé, je vais déjà commencer à faire un petit peu le bas. Ça va nous faire des Les mélanges avec les verts, ça fait des violets, noirs, gris, foncés, flous. En avant-plan flou, ça dérange pas du tout.
le rocher. Ses reflets. Le petit caillou qu'il y a là-bas, ses reflets. Ces deux montagnes, leurs reflets. Je peux revenir avec des verres pour brouiller un petit peu. Voilà. À ce niveau-là aussi. Voilà. Intéressant, pourquoi pas? Un petit peu de vert ici, très foncé pour générer une ligne basse et foncée. Voilà, on a fait trois expériences de couleurs pour le même sujet. Le dernier, j'aimerais celui-là faire l'inverse, c'est-à-dire avoir un ciel beaucoup, beaucoup plus foncé que tout le reste. Et pourquoi pas le faire toujours en monochrome, s'amuser avec du monochrome. Regardez, on pourrait y aller avec du bleu phtalo. Voilà. Et je vais faire le ciel, bleu cobalt, pardon, cobalt. Je prends ces décisions de faire ces choses-là maintenant, comme ça, là. J'aurais pu le faire en noir et blanc aussi, hein. Parmi tous ces tests-là, ça aurait pu être, s'il y en avait eu 8, par exemple, 6 par exemple, au lieu de 4, ben, certainement, un, je l'aurais fait en noir et blanc. Alors, vous pouvez faire aussi des sujets un petit peu plus complexes, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, j'ai oublié de dessiner les herbages ici. Tiens. Donc, ça, c'est l'eau. Les herbages, on va essayer de les conserver en mode négatif, si vous voulez, plus pâle que l'eau. C'est-à-dire que là, je vais faire les foncés, qui sont pas les herbes, mais qui sont plus les espaces entre les herbes. Téléphone fait toc 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 parce qu'il est ici, là on s'en sert actuellement pour le modèle. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez foncé. On pourrait même foncer encore un petit peu plus. Le haut du ciel. Voilà, puis là, ben, on va rester dans les mêmes couleurs, mais plus pâle. Pour les montagnes, les collines, les rochers.
nos petits avant-plans. Voilà. Grosso modo, ça nous donnerait ça au niveau de notre travail de cette fois-ci. Très, très monochrome. Rien ne nous empêche de revenir. Tiens, pourquoi pas y rajouter une deuxième couleur bleue. On pourrait y aller. On n'avait qu'un bleu. Donc, tiens, pourquoi pas un petit peu de ce vert-là aussi, à nouveau. Hein, c'est un vert bleuté. Admettons, je rajouterai un petit peu de vert dans l'eau. S'il nous reste du temps, on peut s'amuser de cette manière-là. Ce qui fait qu'il y a du vert dans le ciel et l'eau, mais il n'y en a pas dans le rocher. Voilà. Si vous voulez, avec de l'eau aussi, vous pouvez retirer. Tiens, un petit peu faire hop, un nuage. On n'en avait pas mis. Alors imaginez les possibilités avec des sujets différents, plus complexes, des animaux, têtes d'animaux, de n'importe quoi, absolument tout ce qui peut vous passer par la tête, vous pouvez y aller et vous laisser aller de cette manière-là. Je vais juste à peine un petit peu foncer légèrement plus ici, comme par exemple texturer légèrement. Voilà, et moins uniforme. Quatre petits, vous voyez, ça n'a pas pris de temps, quelques minutes à peine, et puis on s'amuse, on explore, et puis au moment donné, il dit, ah ben j'aime bien ça, tu sais, peut-être qu'il dit, ah ben celui-là, j'aimerais ça peut-être réaliser un tableau avec ça à la base, mais peut-être je viendrai rajouter quand même un petit peu des verts dans le feuillage en bas, un petit peu plus pâle encore le ciel dans le bas, légèrement du bleu, tu sais. Et là, vous pouvez réorganiser, si vous voulez, un autre exercice que vous pouvez faire sur la page suivante qui va inclure ce que vous avez fait là, plus les idées qui vous viennent, et créer comme ça une cinquième variante, une sixième, une septième, etc., etc. Puis après, vous allez avoir peut-être à un moment donné un carré ici qui va vous faire les couleurs que vraiment vous aurez sur votre prochain tableau lorsque vous réaliserez votre peinture à l'huile sur toile à partir de la photo du rocher percé, celle que vous aurez faite pendant vos vacances, mais les couleurs que vous aurez trouvées dans cette partie-là. Vous voyez, c'est toute une question, on va dire, de pratique, d'exercice, de maîtrise un petit peu des couleurs, d'exploration et en même temps de création. C'est de la création pure. Voilà comment vous pouvez, une fois de plus, vous exercer, vous améliorer en peinture, que ce soit en peinture à l'huile, en acrylique, en aquarelle, bien sûr, ou simplement en dessin. Toutes ces façons-là de, on va dire, de pratiquer des exercices sont bons pour vous. Une fois que vous avez terminé ça, ça n'est pas quelque chose que vous devez encadrer, mettre sur votre mur, le montrer à qui que ce soit. C'était simplement pour vous, uniquement pour vous, pour votre intérieur, pour votre apprentissage, pour votre, on va dire, vous savez, comme je vous ai déjà parlé de ça, l'athlète qui est aux Jeux Olympiques, qui fait des grandes performances, derrière ses immenses performances et derrière ses succès, sont cachés des heures et des heures et des heures de pratiques qui n'ont été vues par personne. Hein, voilà. Donc, c'est de l'entraînement. Voilà. Ce que je cherchais, c'était ça, l'entraînement. Et donc, j'espère que vous allez en faire et que, surtout, cette idée-là, ces idées-là vont vous permettre à vous aussi de vous amuser, de faire de la création amusante dans le but de devenir meilleur
pour vos tableaux, vos productions qui vous tiennent à cœur. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets de nouvelles vidéos. Merci pour m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.